Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans ma cave des plaisirs. Oh, c'est ça qui est bon. Avec la collection de Fabio, mon gars. Pirate, viking et, je crois que c'était bandit ou brigand en français. Hein. Mais oh là 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 là. Hein. Voilà, ça c'est les livres. Certaines d'entre vous les ont peut-être déjà lus. Moi je sais que je les ai lus. Hein. Et je me suis délecté. Fabio, c'est mon héros. Hein. Fabio, il est complètement présent. Hein, c'est pour ça. Ce tableau est obsolète. Il est obsolète parce qu'on a mis de nouvelles images et on a maintenant le même. Voilà, un peu plus petit. On peut avoir un plus petit, un tout petit peu plus petit, pas bien plus. Hein. Juste ce qu'il faut. Voilà. Tonks. Voilà, très bien. Adapté, bien évidemment. Celui-ci aussi, il est obsolète. On a rajouté des images depuis, hein, bien évidemment. Voilà, il faut se mettre à la base du à la page du jour, brave Jean, hein, voilà. Très bien. C'est avant, après. Voilà. Et d'ailleurs, si j'étais malin, je ferais avant, puis je mettrais un giga stonks. Il est où les stonks? Voilà. 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 Avant, ultra méga stonks. Après. Ah putain. Non mais c'est fantastique. Hein. C'est fantastique, c'est fantastique. Hein. On est bien, on est bien. J'ai un autre Yujiro. Est-ce que on a Christina Cordula, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Christina Cordula. Où est-elle? J'ai David Bowie. Ah voilà, Christina Cordula. Impeccable. Un petit tableau là. Ma chérie, c'est pour te souvenir tous les jours. Tu es magnifique. Magnifique, il est parfait ce perso, il est parfait. Du coup voilà, excellent. Dormons, notre personnage dort pas. On a toujours une tronçonneuse d'ailleurs. Est-ce que je peux la vendre cette tronçonneuse? Ouais mais elle coûte cher, ça se trouve il faut que je la garde, hein. Je suis pas sûr utiliser. Je peux pas m'en servir? Non, je suis pas sûr, c'est pas grave. Du coup allons trouver du travail. Allons-y. Rajouter un mur, il faut s'occuper du mur, je vous demande de m'aider, je paierai. Il faut supprimer des murs, d'accord. Supprimer des murs, on va peut-être y aller d'abord parce que ça nous apprendra à casser les murs. C'est-à-dire étant, les grandes pièces sont très tendances puisque mon voisin et le voisin de mon voisin ont démoli plusieurs murs dans leur maison. Le mieux, c'est de supprimer les murs qui séparent le salon de la cuisine et du couloir. Ma voisine d'en face a peint les murs de sa chambre à coucher en bleu clair et moi aussi, je voudrais en avoir de pareils. Je suis convaincu que votre entreprise aussi professionnelle que la vôtre pourra faire ça à... Jean Pissard. Eh bien, monsieur Pissard, vous tombez bien. Nous avons une offre promotionnelle avec des tableaux géants de... des tableaux géants de Fred du Grenier qui viennent en offre spéciale juste pour vous. Juste pour vous, c'est pas oppressant. On va changer la monnaie, excusez-moi. On va changer la monnaie. On va passer en rouble. Impeccable. Et donc, on a 1,6 million roubles. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, détruisons les murs. Alors, quels murs? Ces murs-là? Ces murs. Est-ce que je peux détruire? Détruire. Bon, bah... Ponk. 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 Ah, d'accord. Ponk. Un seul coup suffit. Ponk. Ah, je vends. Ah, je gagne l'argent du coup, c'est cool. Le jeu généreux. Voilà. Voilà, on est en train d'agrandir l'endroit. Alors par contre, je veux pas être l'enculé qui fait la poussière derrière. Parce que les enfants, vous imaginez pas la quantité de poussiasse que ça développerait sur un endroit. Enfin. Voilà. Quoi, mais Oh là là, ça va prendre des plombes. Allez, tombe. Tombe, on t'a dit. Stonk.
Stonk. Stonk. Nouveau point de compétence, ça y a intérêt. Parce qu'au rythme où j'y vais, on sera encore demain. Et j'ai... Non, c'est bon? Non, attends, ça a l'air de bon. Ouais, c'est bon. Pour une seconde, j'ai cru que j'avais pété un truc important. Nouveau point. Triptacier, force augmentée, bien. Marteau amélioré, ok. Démolir plus rapidement. Eh ben, marteau amélioré déjà. Voilà, déjà, on commence ça, voilà. Ouais, ouais, voilà, déjà. Ouais, ouais, c'est bien, ça déblaye un peu plus vite. Ah, quel bordel. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ok, c'est nickel. Ça, je le casse ou pas? Non. Ouais, ça, on y met un petit coup. Ah, j'ai peur de baiser le plafond avec. Alors là, il s'agit de pas se chier dessus. Oh là là, sans se chier dessus, hein. Oui, oui, il reste ça, très bien. Nouveau point de compétence. Ok, c'est allé vite. Voilà. Ouais, bah effectivement, on respire, hein. On respire. Et j'ai encore un autre point de compétence. Marteau professionnel. Alors, on peut stonks, hein. On peut stonks. Démolir plus rapidement. Vous savez quoi, je vais pas le mettre. Parce que je veux maîtriser ce que je démolis, si tu veux. Voilà, j'ai juste amélioré mon marteau. Et là, on est bon. Donc séjour avec Kitchenette, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la liste? Voyons voir. Tâche. Chambre à coucher. Peindre avec la couleur bleu somnolent. Acheter maintenant. C'est où la chambre à coucher? C'est pas là. Chambre à coucher 15 mètres carrés, c'est ici. Peindre avec du bleu somnolent. Eh bien, soit. Peignon, peignon, brave Jean. Peignon, peignon. Oh là là, ça va vite, hein. Putain, par contre, ça vide vite aussi. Hein. Waouh. Oh là 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 là. Ah, ça vide mon pot de peinture à une vitesse mais absurde. Mais en même temps, putain, on avance. Hein. Je veux pas dire, mais... Alors, attends, il y a des choses que j'ai ratées quand même là, non? Voilà, très bien. J'en mets un petit coup. J'absorbe. Voilà, très bien. Ça se vide vite, hein. Ouais, j'avoue que le fait que ton pot de peinture au rang 3, il se vide 40% moins vite, c'est un vrai point. C'est un vrai point avantageux parce que sinon, le coût en pot de peinture... Et tu sais que je pourrais peindre 100% plus vite, mais je me dis, ou 50% plus vite, mais je me dis que peindre 3 par 3, déjà, c'est amplement suffisant. Je sais pas vous, mais moi, je trouve là, ça va déjà bien assez vite pour ce que c'est. Voilà. Par contre, mon taux de suck, il est mais infini. Hein. À partir de maintenant, je peux terminer le chantier qui n'est pas encore fini en me cassant. Je peux me barrer. Je peux partir. Gros travail professionnel. Stonks. Hein. C'est le mec, il est pressé. Hein. J'ai eu un livreur qui m'a fait ça d'ailleurs. Je me suis fait livrer des mousses anti-bruit pour mon bureau que j'ai installé avec ma femme. C'était très bien. Mais il a livré les 5 cartons qui faisaient... pardon, les 9 cartons qui faisaient la taille de mon salon environ sur le parking d'à côté en m'appelant simplement au téléphone du genre je vous ai tout abandonné sur le parking, je suis désolé, je suis vraiment à la bourre, des bisous. Et j'avoue qu'à 8h30 du mat, c'était pas la meilleure surprise de ma vie. Quelque part je comprends l'homme parce que moi aussi ça m'aurait fait chier de faire mon travail mais j'ai aussi envie de l'étrangler si tu veux. Mais j'avoue qu'il m'a fait un petit coup de « Ah bah d'accord ». C'est un peu comme Maxime, le doubleur, qui s'est fait livrer sa carte graphique en mode « Qui a réceptionné votre paquet ?» Jardin. D'accord. Carte graphique sous la pluie. D'accord. Gros Deliveroo. Stonks, hein. Mais putain, mais comme on suce, quoi! La quantité de peinture qu'on pompe! Mais foi!
J'ai l'impression d'être une gitane sur une aire d'autoroute, hein. Ah, quand même. C'est bon, c'est pein. Ah putain, il manque ça. Très bien. Chier. Ah, dis-moi qu'il reste assez de peinture. Pour l'amour de Dieu. Voilà. Super. Ouh. Et ben voilà. Mission terminée totale. On en profite pour revendre et revendre, bien sûr, parce que il n'y a pas de petit profit. On voit si on peut vendre des trucs. On ne joue pas au simulateur de cambriolage. Ce serait immoral. Il vaudrait mieux ne pas faire ça. Bon, et ben vous connaissez la signature lennonienne, bien sûr. Mon entreprise, elle, pense toujours au bien-être des gens qui y vivent. Est-ce qu'on peut lui mettre? Pas mal, ça. Voilà, voilà. Voilà qui égaye l'endroit. Un petit soulevé de la part de Canartichaud. Excellent. Voilà. Alors, 300 000 balles de bénéfices quand même. Je viens d'en dépenser 30, donc 10%. Mais à mon avis, c'est fair. Je trouve que c'est fair. Oh, on est bien là. On est bien, on est bien. On a combien solde du compte? 2 millions de roubles. Combien ça coûte une maison? Acheteur. Qu'est-ce qu'ils volent? Acheteur. Maison qu'on a achetée. Magasin. Moteur de recherche. 2 023 000 de roubles. Hein. Petite maison de camping. 3 millions de roubles. 2 133 000. Ce serait pas mal celle-ci. Hein. Je pense que ce serait pas mal. Hein. Donc l'idéal, on est d'accord? On est d'accord? Que le but du jeu c'est d'acheter une maison, la rafistoler et la vendre à ses pégus. Donc ouais, 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 ouais. Vincent Tronchet, eh bien, je veux me servir de toi, mon mignon. Michel Bonneau. Putain, alors lui il va se retrouver avec un David Bowie. Taille géante, hein. Je suis ravi que tu m'aies proposé ton aide pour la rénovation de ma maison. J'espère que cette proposition est toujours d'actualité. Tu ne pourras pas dire non à quelqu'un aussi aimable que moi, pas vrai? Petit emoji. Il y a un mois, j'ai emménagé dans la maison de ma cousine qui est une soi-disant artiste. Et son âme d'artiste existe qu'elle habite dans une maison qui a l'air d'un sapin de Noël. Non mais sérieux, ses couleurs agressent mes yeux, c'est l'horreur. Ça m'énerve tellement que je vais demander si je vais pas avoir des rides à cause de ma mine exaspérée. Ce serait horrible. Il faut à tout prix éviter ça et toi, mon petit chat, tu dois m'aider. Avant que ma cousine ne rentre de tournée, tu dois repeindre tous les murs de la maison avec des couleurs normales. Pâle, douce, tu connais mes goûts, et dépêche-toi et n'oublie pas. Michel Bonneau. Mais c'est illégal? C'est illégal? Non? C'est illégal? Bon. La place de cet homme, c'est dans sa cousine. Allons-y. Y'a pas de mystère. De toute façon, c'est une manière de baiser ta cousine. Hein. Tu repeins tout son appartement pour aller partir. Mais c'est joli chez elle. C'est colo. Oh ouais, j'avoue que ça, c'est un peu kitsch, mais pourquoi pas? Pourquoi pas une petite chambre d'enfant en verre? C'est joli. C'est très honnête pour un salon. Le sombre, ça va pas très très bien, mais honnêtement, c'est rococo, mais c'est pas non plus absurde. Là, y a rien de problématique à part le carrelage au mur, mais c'est une salle de bain. Et là, c'est dégueulasse, ok. Bon, bah, allons-y, hein. Allons-y, allons-y. Pourquoi la monnaie, elle a changé? Parce qu'on est en rouble, gars. Peindre la couleur avec citron délavé. Et donc, il va falloir qu'on peigne tout, en fait. Je peux rien vendre, d'accord. Et bah, très bien. Fais voir mes points d'XPEX. Amélioration, peinture. 262 murs P, 4 murs en même temps. Tu peins plus vite. Réduis la consommation. Ouais, il faut ça. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut que mes deux points, ils aillent là-dedans. Donc, allons-y. Repeindons le couloir. Chantier rapide. Salaire pour les chantiers plus 50%. Hein. Ouais, ouais, ouais. Possibilité de négocier les prix. Ça, c'est les prix de vente, on est d'accord. Hein, prix de vente de la maison. 4 maisons vendues ou chantier terminé. D'accord. Pour prochain point de compétence. Je le prends. Donc, dans 4 chantiers terminés rapidement, on pourra mettre un point de compétence en possibilité de négocier les prix. C'est bien parce qu'on aura à peu près le pognon pour acheter une maison si on met pas des peintures un peu trop géantes, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais chez nous, nous jouons la qualité, bien sûr. Hein. Citron délavé, donc il veut du jaune pâle. Ouais, voilà, tu vois. Mal. Peignon.
peignons les murs en jaune, le moins éclatant des jaunes. On est payé et c'est très bien de faire le boulot de larbin. Alors peignons les murs en jaune. Et peignons les murs en jaune. Pam pam padabalam pam pam pam. Une belle couleur citron. Sur les murs, c'est ça qui est bon. Et on passera à la cuisine juste pour niquer la cousine. Alors mettons des trucs citron. Voilà, très bien. Mettons des trucs citron. Allez, sous Pays des Merveilles, meilleur Disney, by the way. Enfin, non. En vrai, les meilleurs Disney, ça reste Dingo et Max. Je suis désolé, je m'excuse, hein. Mais Dingo et Max, même si c'est assez américanisé, parce qu'ils ont des grandes routes, c'est les autoroutes, c'est un road trip, si tu veux, c'est intemporel. C'est 100% intemporel. Il n'y a pas de méchant. C'est à la fois compréhensible pour les enfants qui peuvent complètement comprendre ce que Max vit et compréhensible pour les parents qui comprennent à 100% ce que Dingo vit. Et mieux que ça quand tu regardes ça plus tard. Après, il y a Cusco, l'empereur mégalo, qui est pas mal aussi. La salle de bain, il y a rien à y faire. Il y a rien à y faire, on s'en bat. Je suis content qu'on ait rien à nettoyer ici. Chambre à coucher, peindre avec des couleurs bleu somnolent. Vendre. C'est immoral. Oh là 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 là. Bleu somnolent. Ouf. Ah là là, c'est une artiste, j'aime pas ses couleurs. Change les couleurs pendant qu'elle est partie. Ok. Mets des couleurs calmes. D'accord. Mets du bleu fluo. Très bien. Oui. Allons-y. Eh bien. Dago et Max, il y a de la waifu. Hein. Oui, tout à fait, Roxane. Qui disparaît d'ailleurs dans la suite. Pour une raison qui nous est obscure. Mais quand je dis obscure... c'est obscur à l'infini. Hein. Même pas de mention. Hein. Pas ils sont allés dans une université différente. Rien. Hein. Même pas ils ont Ken. Honteux. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Sapin, sapin. Tu sais, il peint sur le tableau. Comment être un enculé majeur? Peindre sur le tableau de quelqu'un d'autre. Voilà, très bien. Voilà. Putain, ça part tellement vite, la peinture. C'est fou, hein, parce que quand tu fais de la peinture et que t'es pas forcément un maçon ou quelqu'un qui fait beaucoup de travaux, t'as l'impression qu'un pot de peinture, en vrai, ça tient à l'infini, hein. Mais ça part super vite. Crois-le pas. On pourrait croire que c'est comme les tubes de ketchup, t'as l'impression que c'est à l'infini, mais en fait, rien du tout. Non. Voilà. Donc là, je pourrais faire comme tous les autres youtubeurs qui ont joué à ce jeu. Je pourrais faire un fast-forward en mettant une musique de zoom zoom, genre un truc avec de grosses basses que t'entends genre dans un magasin de vêtements. Genre... Voilà, tu sais, en gros accéléré, dégueulasse M6, si tu veux. Mais perso, je supporte pas ça. Et si les gens ont envie de faire avance rapide, ils font avance rapide eux-mêmes. Quitte à rater une blague salace ou une référence de mon daron. Voilà. Impeccable. Qui, maintenant que je me souviens, un jour avait ramené des pots de peinture de son bureau. Et en fait, il prenait une bouteille et il transférait de la peinture dedans. Et je me souviens qu'il avait expliqué qu'il avait repeint toute la chambre de ma sœur qu'il avait reconvertie en micro-salon, quoi. Avec cette peinture-là. Et apparemment, de ce qu'il disait, les mecs au bureau, ils viennent et ils sont là, oh, putain, mais elle tombe vite, la peinture. Ah, ouais. C'est... Les murs aspirent, c'est pour eux. Et les dames du bureau, qui étaient là, ah, bon, c'est pour eux. Et mon père, oui, c'est pour eux. Voilà.
Ah putain. Ah, j'ai vraiment été élevé par des brigands. La filouterie, mon gars. La fraude, c'est dans la famille. Voilà. Impeccable. Voilà. Ici, c'est repeint. C'est impeccable. Ouais, voilà. Couloir, ça, c'est repeint. Ici. Oh la vache, pêche claire. Oh, alors là, monsieur veut tout, hein. Monsieur se permet tous les goûts. Alors, pêche. Pêche claire. C'est dégueulasse. Deux pots, ça devrait suffire. Allez. Glorp. Glorp. Prochain boulot qu'on prendra, il n'y aura pas de peinture, promis. Hein. On en a fait assez comme ça. Non mais je vous jure, hein. Non mais c'est marrant parce que la fibre morale dans ma famille, paradoxalement, ça a toujours été ma mère. Et la première fois que ma mère est venue me voir en convention au Paris Manga, j'étais très fier parce que, mettez-vous à ma place, peut-être que vous me voyez comme une rockstar ou comme un youtubeur ou imaginez que j'avais plein de gains et que t'es là-bas, blablabla, c'était l'infini, tu vois, t'as l'impression d'être Michael Jackson. Mais il y a ta maman qui est venue te voir et qui est fière de toi si tu veux. Et ça, c'est inestimable, c'est absolument inestimable. Et elle avait passé la journée à me voir faire des dédicaces, parler aux gamins, faire rire tout le monde, faire le clown, tout ça. Et elle était très très contente de ce que j'étais devenu. Elle m'a dit littéralement, t'es pas comptable mais ça fera l'affaire, je suis très heureux de toi mon fils. Hein, je... On en prend ce qu'on en prend. À la fin de la journée, vous savez comme il y a des, y a des grands posters et des panneaux de promontoires et des présentoirs et des trucs comme ça. Et tu sais qu'à la fin, vous n'êtes jamais resté dans une convention pendant qu'elle se vide. Vous, à la fin d'une convention, on vous dit il faut sortir, il est 18h, sortez. Puis tu sais, il est lâché la gaz lacrymo pour que les gens se partent. Mais moi, j'ai un badge et j'ai le droit de me balader en convention. D'ailleurs, il faut savoir que le dimanche soir, quand les conventions ferment, c'est là que je fais mes courses. Pendant que tous les vendeurs de statuettes de Goku et tout ça, ils sont en train de tout ranger en fait. Parce que, un, je peux leur arracher des prix de fou. Parce qu'un, ils voient que je suis Bob Lennon la moitié du temps, ils voient que c'est moi, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas pu venir me voir, donc je viens les voir à la place. Deux, je commence à les connaître, à force de faire des conventions, si tu veux, ils commencent à me voir avec la veste rouge. Et ils me font des prix. Et trois, tu sais, comme ils sont en train de tout remballer, pour eux, ça fait moins de choses à remballer, donc ils sont contents de les vendre et ils s'en battent les couilles. Mais on se baladait, et là, je passe à côté du stand de No Life. Et No Life était une chaîne de télé que je regardais beaucoup à l'époque. J'étais très admiratif, si tu veux. Tu vois, j'étais un fan, un vétéré de Suzuka. Je le dis, si tu veux. Et tout le reste, tu vois. France 5, moi, c'était mon cœur, si tu veux. J'étais en mode Benzaï. Et en fait, il y avait un immense panneau promontoire de No Life. Et le mec qui tenait le truc me parle un peu, puis va pisser. Et c'était un gros panneau promontoire, c'était marqué No Life. Et je regarde ça et je fais, putain. Ce serait bien dans ma chambre quand même. Ce serait stylé et tout. Et ma mère fait, bah vas-y, prends-le. Moi je la regarde, fais, mais t'es folle, c'est à eux. Enfin, c'est un panneau, ils vont le remballer puis s'en servir pour les autres conventions. Enfin, ça coûte cher. Regarde à gauche, regarde à droite. Elle arrache le truc du mur, mais en mode roumaine. Et elle commence à tracer. Et moi je suis là, mais maman. Donc faut imaginer ma mère avec son petit béret. En mode déjà vous, voilà, en mode j'ai arraché les fils des murs, tu veux, en mode j'ai rempli ma fiche d'impôt, oui monsieur. Et tu sais, il y a toujours un moment moral où tu te rends compte que tes parents ne sont pas des héros, où tu te rends compte que tes parents finalement c'est des gens comme toi qui ont fait des erreurs et qui continuent à faire des erreurs et qui sont humains. Et que tu comprends maintenant, quand tu deviens assez vieux, tu comprends pourquoi ils ont fait ces erreurs-là. Parce que t'as fait les mêmes. Parce que maintenant, tu comprends, tu vois. T'as plus cette espèce d'idolâtrie absurde que tu gardes pour un héros qui n'a jamais existé, si tu veux. Le micro-sens moral, moi, je l'avais toujours attribué à ma mère, si tu veux. Et là, elle nous a fait un remix de la Zoubida de Mokhtar, tu veux, avec la gaffe. Et moi, sur le coup, j'étais là, mais voilà. Donc, au final, j'avais un panneau. J'ai un panneau Low Life. Je l'ai gardé précieusement. Il s'est cassé, malheureusement, lors du troisième déménagement. Donc, on a dû le jeter. Bon, c'était du carton, hein, ça arrive. Voilà. Pêche claire. La même? La même? Vous êtes sûr, monsieur l'agent? Oh, bah, allons-y, hein.
Avancez à l'ancienne, peignons. Au-dessus de la fenêtre, Bob. Quoi, j'ai oublié? Ah oui. Voilà. Voilà. Mais du coup, voilà, hein, c'était la grande fraude absolue, si tu veux. Non, clairement, la fibre morale dans ma vie, c'est ma sœur. Voilà. Ma sœur a toujours gardé sa moralité. Mon frère aussi. Quoique mon frère, il est, comme il dit, dans l'optimisation, si tu veux. C'est vrai. Et quant à moi, moi, j'essaie de m'y tenir. Mais je fais partie de ces gens qui ont le genre de microfibre morale qui est élastique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez devant vous une grande file d'attente, c'est-à-dire une grande queue, c'est les barrières, vous savez, les espèces de cordes qui permettent de faire des zigzags et que t'es obligé de faire 4 km pour faire 10 mètres devant toi, parce qu'en fait il faut que tu marches en zigzag, genre comme dans un aéroport si tu veux. Moi je regarde à gauche, je regarde à droite, s'il y a personne, j'enjambe si tu veux. Voilà, je suis le premier à dire que s'il y a personne, bon bah on s'en bat les couilles. Voilà, c'est pas comme tout le monde. Ouais, non, alors tu dis comme tout le monde, mais non, hein. Y a des gens qui s'en offusquent. J'ai déjà vu des parents mettre des gifles à leurs gosses parce qu'ils mangeaient les frites avec les doigts, si tu veux. Et pas avec des couverts. Alors que moi, à pas 3 mètres de là, j'étais en train de m'empiffrer avec mon daron, si tu veux. Donc vraiment, c'est vraiment qu'une question. Il y en a qui ont ça, il y en a qui s'y tiennent, si tu veux. Il y en a pour qui les règles, c'est ultra important. C'est même tout ce qui régit la base de la société, si tu veux. Moi, je suis chaotique bon. Je suis chaotique bon, écoute, hein, tant que ça dérange personne, on s'en fout, quoi. C'est comme les gens, pas les gens, mais les chefs d'université qui se plaignent que les élèves, posent plusieurs demandes pour aller dans plusieurs universités. Et que quand les universités leur demandent « Est-ce que c'est vraiment votre premier choix ?» Les élèves les regardent droit dans les yeux et font « Oui, oui, j'ai toujours rêvé de faire un CAP coiffure. Bah, » Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir plusieurs universités qui te disent oui et d'en refuser une que de tout parier sur une université, de pas te faire prendre et de passer une année sabbatique à rien foutre et à fumer des joints en fait. Et sur Twitter, il y avait un mec de l'université de Grenoble, notamment je crois que c'était le directeur de l'université de Grenoble, qui traitait les gens, que c'était malhonnête, les élèves ont donné leur parole, il y a plus de respect, c'est inacceptable. Là où tout le monde lui répondait, bah oui, mais en fait, non, connard. Au contraire, tu devrais être fier des élèves. C'est-à-dire, ils ont compris le système. Ils jouent le système. T'as des élèves, ils sortent de l'école, ils jouent le système. C'est-à-dire, ils ont compris le système. Bravo. L'éducation, elle est réussie. Après, c'est ton système qui est pourrave. Ton système, c'est de la merde. Mais l'éducation, elle marche, hein. Pas de mystère, mon gars. C'est pour ça. Moi, je dis, j'applaudis l'initiative d'un élève. Dire quel enfer. Et là, oui, bah c'est un sous-sol. Bien. On a tout fait. 357 000 roubles, hein. Pas mal, les enfants. Ah, j'ai oublié le portrait. Ah, je m'en veux, j'ai oublié le portrait, putain! Ah, oh, pour la peine, je le mets à la maison. Voilà, le portrait de David Bowie porte toujours dans nos cœurs. Presse F. Impeccable. Ok, du coup, voyons voir. Moteur de recherche, rajouter un mur. Alors ça a l'air intéressant. Salle de bain supplémentaire, salle de bain et atelier. Je vous demande de m'aider, je paierai. Qu'est-ce que... Je suis une personne d'un certain âge. Allô ? Qu'est-ce que tu veux ? D'accord, c'est juste du nettoyage qu'il propose. J'ai presque envie de le faire. Et lui, il veut que je rajoute un mur. Thomas Champigny, il veut que je mette un mur dans la chambre de sa fille, parce que sa fille est assez vieille pour avoir sa propre chambre. Donc, afin que sa fille découvre, d'ici quelques années, en toute sérénité, les joies de la masturbation,
Nous allons donc lui donner une intimité. Ce qui est somme toute tout à fait respectable. Ce mur est ridicule cependant. Ce mur va jarter du fion. Calculons bien. Ouré ! 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 Ok, très bien. Je suis content d'avoir amélioré la massue. Clairement, c'était de ma part un choix stratégique intelligent. Qu'est-ce que... Ouré ! Très bien. Ok, donc effectivement, ça c'est la chambre à coucher de papa et maman. Oh là là, qui passe des pornos. Mais... Bon, il m'a pas demandé de le faire, mais... Hein... Ça, ça va en haut, ça en bas. Voilà. Voilà. Voilà, merci. Mes excuses. Et donc, des pornos en 4K. Oh là là, 10 000 roubles, hein, l'écran plasmique. Grosse limite rouge, ça tombe bien. Est-ce que c'est cette limite-là? Non, c'est cette limite-là. Donc ça, c'est de la merde, faudra la repeindre. Pas de soucis. Enlever l'objet, livre, lit d'enfant. Voilà, très bien. Après tout, pauvre choupette commence à avoir 3 piges, qu'on me dit. 3 ans. Peut-être un peu trop pour les joies de la masturbation. Mais, il n'est jamais trop tard pour s'installer bien. Pour s'installer bien, on va placer un mur. Alors, je ne sais pas faire de mur. Allons-y. Ok. Ok. Je... Alors je... Je fais ça au visu, hein. Là, braves gens, si je devais vous dire la vérité, j'improvise. Nouveau point de compétence. Sans doute à la pose des murs. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous le repeigne? Parce que là, moi ça me fait mal de vous laisser comme ça, si tu veux. Le lit, quelle couleur? Alors c'est une enfant jeune. On va lui mettre un lit bien coloré. Voilà, les enfants aiment bien les lits bien colorés. Voilà, très bien, c'est un lit de clown un peu, mais... Ah, attends, avant même de mettre le lit... Non, c'est bon. Je vérifiais, mes excuses. Voilà, le lit bien coloré. Voilà, il est dégueulasse, mais une petite fille adorerait avoir un lit comme ça. Que voulez-vous? Ce sont des enfants, ils ont très mauvais goût. Ok, qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Réparer une prise électrique. Ah. Très bien, profitons-en. Installons-la. Ok. Alors, plouc. Voilà. Hop, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et on se permet de replacer ça là.
pas. Ou pas. Démerdez-vous. Voilà. Il voulait aussi une nouvelle porte, mais ça tombe bien, la porte elle est déjà placée là. Pour le mur par contre, je sais pas, il faudrait peut-être mettre du plâtre ou des choses comme ça, et je sais pas faire. Donc la mission est terminée, il se démerde. Cependant, les services de Lennon Industries... Voilà. Favorise le taux de surveillance. Voilà, impeccable. Attends, il y a un sous-sol ? Oh, on s'en fout. Voilà, et là, si on passe à l'extérieur et qu'on fait « Bonjour, il y a quelqu'un à la maison ?» La réponse est oui, si tu veux. Quelque part, voilà. Elle devrait dormir en toute sécurité avec les images de notre bon président. Il y a tous ceux qui disent « C'est parfait pour découvrir la masturbation, vous êtes dégueulasse. Vous me répugnez. Okay. » Victoire pour l'argent. Mais honnêtement, rien que le fait que dans ce jeu on puisse mettre des photos personnalisées, rendez-vous compte pour moi à quel point c'était une aubaine. À quel point tout ceci était une aubaine sans nom. Hein. Il faut reconnaître que la qualité est juste incroyable. Du coup, voyons voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors, Vincent Tronchet, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, c'est le nettoyage du petit vieux. Petit vieux que je nettoie. Salle de bain supplémentaire, devant je nettoie la maison, maison kitsch. Jeu du style et de l'élégance. Alors, Angélique Catin. Angélique Catin. Alors, laissez-moi me verser à boire. Je pense que Angélique Catin, on s'en servira la prochaine fois. Hein. Pas de soucis. On va faire la maison du petit vieux. Parce qu'avec son... Ouh, je regrette! Je regrette Jean-Paul! Oh, je regrette! 539 mètres carrés! La map! Bon, au moins, ça va nous faire de l'XP. Hein. Oula! Les tags! Oh, le squat! Waouh! Oh, la maison à Chicago, quoi! Impeccable, hein! Et les mecs se sont barrés avec les radiateurs. C'est stylé. Monter les équipements, qu'est-ce que c'est, ça? Radiateur. Alors, attends, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas des points? J'ai pas des points d'XP? Si, construction, mur. Le mur construit est aussitôt peint. Ah, c'est intéressant, ça. Coût de construction inférieur de moitié. Peut construire 3 murs à la fois, 5 murs à la fois, un nombre max de murs en ligne. Construction plus rapide. 400% plus rapide, c'est vrai que c'est intéressant. Et 3 murs à la fois, c'est intéressant. Voilà, donc on va le mettre. Et encore un point pour des murs peints. Réduit la consommation de peinture, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord, hein. Réduit la consommation de peinture, il n'y a pas à chier. Installons. Hein. On a le bonus de vitesse d'installation. Voilà. Je l'ai fait parce que c'est une mission demandée par une personne âgée. J'ai eu pitié, si tu veux. Enlever les ordures. Ok, très bien. C'est 96%. Il en manque une d'ordure. Elle est où? C'était une ordure. D'accord, le poster de Rock Voisine, c'était une ordure. Honteux. Absolument honteux. Oh là là, les tags sur les murs. Quelle idée. C'est pas des tags, Bob, c'est de la liberté d'expression. Ouais, je sais, ouais. On a vu ce que ça donnait aux USA. Impeccable. Quoi qu'il y a des fresques murales qui sont absolument incroyables. Hein. Ça, par contre, je dis oui. Oh là là, parce qu'il y a des mecs qui ont vraiment du talent de fou, quoi. Les fresques murales, c'est garanti. Hein. Ils veulent du blanc. Le vieux, il veut du blanc. Du blanc. Très bien, on va lui mettre du blanc. Du blanc. Voilà. Très bien. Voilà. Je vous dis, j'ai jamais rien contre les fresques murales. Tu peux mettre n'importe quel message sur un mur du moment que c'est bien peint et que c'est joli. Et que c'est pas juste un vieux tag de Grenoble
du gang des dauphins, si tu veux. Le gang des dauphins, ça m'a toujours fait marrer, ça. Si avec le bonus de 20% on peut faire 2 fois, 3 fois. Avant on pouvait pas, on était obligé de recharger entre chaque. Regarde, là je fais un 3. Et là si je fais un double 3, est-ce que je suis obligé de recharger? Non. Mais là je peux pas en faire. Ouais voilà, j'ai plus de peinture. Ok, pile poil. Pile poil, je peux faire 6 murs d'affilée, des vrais murs, sans avoir à recharger. Et ça c'est une super nouvelle. C'est quand même facile dans ce jeu, hein, de repeindre. T'as pas besoin de mettre des journaux au sol, tu te fais chier zéro, enfin. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Hein. Et bientôt, on aura le pognon non seulement pour se retaper une maison, enfin acheter une maison, mais aussi tenter de la retaper. Parce qu'on aura peut-être le budget pour le faire. On pourra faire une vente. C'est comme le jeu de bûcheron, si tu veux. Au bout d'un moment, on peut faire une vente. Incroyable. Vente des bûches. Incroyable. Jeu de bûcheron, on a plus passé du temps à construire des maisons, en fait. Où est-ce que j'ai oublié? Là. Man. Nettoyer la fenêtre. Peripopèche, c'est fait. Hop là, on aère un peu. Parce que ça sent le shit ici, garçon. Ça sent la planque à Madame Catin. À quoi l'héroïne? Impeccable. C'est pas une insulte, hein. Madame Catin nous a envoyé un email ce matin. Là, il y a une tâche, ça dit. Ah, je vois. Ouais. Impeccable. Ok, très bien. Ah putain, oh, le reste de la baraque. Oh. Cafard. Si vous êtes une personne atteinte de castaridaphobia, la peur des cafards, dans les options, vous pouvez changer les cafards en morceaux de verre. Oh, fort aimable. Mais non. Un cafard, c'est chiant, mais ça n'a rien de... Ça n'a rien de dangereux. Enfin, c'est problématique et ça porte des maladies, c'est une catastrophe et tout ce que tu veux, mais... Ultimement, sortir l'aspirateur. Allez, allez. Allez, allez. Allez, il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir, madame. Putain, mais effectivement, hein, le petit vieux, il a pas menti. Hein. Oh, par contre, les bouteilles de vinasse. Comment ça s'appelle, la vinasse ultra bon marché que tu peux acheter au Superette? Pas la piquette, mais... Le Saint-Jean, comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom. La gauloise, la villageoise. Voilà, les bouteilles de villageoise, c'est ça. Le cubi de villageoise. Alors si je remets les meubles droits, c'est pour faciliter ma propension à nettoyer derrière. Oh la vache. Par contre les mecs ils ont pas lésiné sur la villageoise, hein. J'avoue que pour chaque bouteille bue ils remettaient le ménage à deux mains. Vous voyez où ça mène les enfants. Ne mettez pas le ménage à deux mains. Mon conseil c'est de le faire le dimanche. Parce que samedi t'as passé une bonne journée, t'es bien reposé. Sorti aspirateur. Dimanche t'es bien reposé aussi. Et c'est pépouze. Tu fais ton petit ménage, la maison sent bon, madame est bonne humeur, tu ressalis la maison, et puis voilà. Voilà. Et si jamais t'as des gosses, bah tu leur fais faire le taf. Tu leur dis une excuse genre maison pas propre, puis tu sais, tu les insultes jusqu'à ce qu'ils nettoient leur chambre ou le salon, si tu veux. Tu leur apprends le travail difficile et bien acquis, si tu veux. Tu les nourris, tu les loges, tu te permets d'en abuser un peu. Faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. Voilà. Et puis tu sais, tu fais pendre des biens et des services. Tu dis, si tu fais ça, et ben écoute, pour ton anniversaire, tu peux espérer avoir le dernier FIFA. Peut-être. T'allais lui offrir de toute façon. T'es un père faible.
T'es un père faible, il a des mauvaises notes et t'as lui lui offrir. Bon. Donc tant qu'à faire, autant le faire bosser un peu, si tu veux. Tu le payes en visibilité. Ah oh, putain. Comme il est courageux, notre protagoniste, hein. Moi, je sais pas ce que je ferais avec ce balai, hein. Il y a encore une tâche, c'est bon. Moi, honnêtement, je sais pas ce que je ferais avec le balai. Parce que le balai, si vous y réfléchissez, le balai, ça n'enlève pas la merde. Ça n'enlève pas la crasse. Ça la déplace, si tu veux. Donc, t'es obligé de mouiller ton balai et de frotter. Et du coup, l'eau qui devient noire, elle pullule sur le plafond et elle dégueulasse le reste du plafond. C'est un cercle vicieux. Je sais pas comment ils font, moi, sérieusement. Quel enfer, quoi. Quel enfer absolu. Ok, le couloir a l'air d'être... Nettoyer les salissures, 72% dans le couloir. Bah, putain. Là. C'est des salissures, ça, ou c'est un reflet ? Ça avait l'air d'être des salissures. Alors je sais pas vraiment comment je les ai nettoyées celles-ci, mais ça compte apparemment. Ça compte, ok. Très bien, kitchenette, nettoyer les salissures. Une chose est sûre, on fera pas un 100% ici. Hein. On fera pas un 100%, c'est sûr. Mais avec ça, on devrait avoir assez de pognon pour acheter une maison et commencer à la retaper. Et après s'être tapé la daronne de la maison, la revendre. La revente pour maximum stonks, les enfants. Maximum stonks. Juste nettoyer devant, voilà, très bien. Progrès. Ok, nettoyer la fenêtre, monter les équipements radiateurs. Bon, nettoyer la fenêtre d'abord. Voilà. Un coup de Swiffer. Tu veux revendre quoi à la daronne? Bah écoute. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on trouve une daronne en état de fonctionnement au sous-sol, là. Vu la quantité de cocaïne et de villageoises qui traînent dans le coin, à mon avis, il y en a une qui a été oubliée. Hein. On la ramène chez nous, on l'installe dans la salle de bain, on y met un petit tabouret, sous le regard bienfaiteur de David Bowie. Voilà. Je ferme la porte parce que voilà. Je sais pas vous, mais quand je range, moi j'ai besoin de fermer les portes. Voilà, les gens quand ils rangent, ils aiment bien aérer. Mais moi quand je range, j'ai besoin que tout soit fermé. De manière à ce que je voie tout. Et après, une fois que tout est rangé, là j'aère. Mais je peux pas aérer en même temps. C'est psychologique. Je suis conscient que c'est complètement con. Me demandez pas. C'est chacun son autisme. Là. Putain, et l'image que j'aimerais bien laisser, c'est l'image de Macron. Vous savez, avec les gens des quartiers qui étaient à moitié à poil à l'Elysée. Je pense que ce serait de ton. Ce serait de bon ton. Ça parle mal. C'est terrible. C'est politique, ça, Bob. Ah là là. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je mets juste des images de David Bowie chez les gens. Moi, je suis carreleur, monsieur. Je suis nettoyeur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoyer la fenêtre. Il veut pas que je repeigne ici. Bon, très bien. Nettoyer vite. Le petit vieux, il veut que je repeigne que sa chambre. Donc, le petit vieux, il utilisait sa chambre et puis c'est marre. Hein. Il est peut-être en fauteuil roulant. Ce serait triste. Terrible. On aère. Voilà, et on aère, impeccable. On peut réinstaller un petit radiatos gentiment. Ah, tu vois toutes les salissures sur la map. Bagné espagnol Ultra Hipster 2018, allons-y. J'ai acheté une branlette espagnole 2018 Hipster, hein, c'est qualitatif. Un autre radiatos. Voilà, on installe ça rapidement. Voilà, impeccable. Cette pièce, elle est faite. Super. Donc là, je peux presque me barrer. Mais parce que j'ai pitié pour le petit vieux, on va faire le taf complètement. En plus, on est en fin d'épisode, donc tant qu'à faire, autant être sérieux dans ce qu'on fait. Hein. Oh la borde, mec.
Mais putain! Les mecs s'en sont donnés à cœur joie, quoi. C'est nos limites, hein. Nos limites, hein. Bon, par contre, mon balai espagnol, là, ma branlette espagnole, elle a une portée qui est assez folle, je dois dire. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Nettoyer la fenêtre, monter les équipements, radiateur. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont vendu les radiateurs, putain. Les lascars. Oh là là. La racaille, comme dirait notre premier ministre. Terrible. Terrible, ça, monsieur Trudeau. Voilà. Vends le lit du vieux, Bob. Lol. Voilà. Et voilà. Mais ce jeu, honnêtement, je vous le conseille. Hein. C'est comfy as shit. Vous mettez ça, vous mettez un stream à côté. Oh là 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 là. Mais Bob, c'est nul. Vous jouez à Animal Crossing. Mais Animal Crossing, c'est bien. C'est la même chose. Enfin... Putain. Voilà. Et bah avec mon balai espagnol, la crasse, elle est partie vite. J'ai l'impression d'être dans une pub pour Swiffer, pas vous? C'est beau, hein. Putain, alors ça... Ça, vous voyez, ça a l'air facile parce qu'on est venu invisible et on passe derrière, mais en vrai, c'est derrière le chiotte, là. Donc en fait, le gars, il est penché par-dessus le chiotte, et tu sais, quand tu vises du bout des doigts et t'es là... Allez. Tu sais, tu mets... Voilà, plus t'es sale, enfin, c'est terrible. Voilà. Excellent. Par contre, ce jeu, c'est le jeu de l'autisme. Hein. C'est-à-dire, si vous aimez mettre le rond dans le rond, le carré dedans le carré et le triangle dedans le triangle, vous êtes chez vous. Hein. Et moi, ça m'excite. Hein. J'ose le dire. J'ose le dire. DLC, on s'en fout. Garden DLC, c'est quoi GTV. Sunset Bay, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un lave-linge. Un lave-linge. Lave-linge à installer. Très bien. Pour 16 millions de roubles. Cher. Pas trop le coller ni à l'un ni à l'autre, on va être généreux. Voilà. C'est pas la meilleure installation. Pas du tout la meilleure installation. Mais écoute, bon. Alors, enlève le panneau derrière. Ça, je l'ai fait en vrai. En vrai, t'économises tellement de pognon à le faire toi-même, brave Jean. Et surtout, c'est pas compliqué hein, une fois que t'as compris comment ça marche. La plupart du temps, faut juste visser, dévisser des trucs. Le meilleur investissement qu'on a fait avec ma femme, c'est d'acheter un... Ah, le tambour. C'est d'acheter une visseuse électrique. Pour les meubles IKEA ou pour tout le reste de ta vie, c'est indispensable. Une petite visseuse électrique slash perceuse. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux? Ah voilà, merci. Je le cherchais, excusez-moi. La sortie. Ok, c'est installé. C'est installé, fantastique. Mais excuse, hein, parfois tu sais, tu cherches ce qu'il veut faire. En vrai, c'est intuitif hein, dans la vraie vie. Hein. C'est juste que là, il faut cliquer sur le bon truc dans le bon ordre. Donc j'étais là, attends, qu'est-ce qu'il veut et où est-ce qu'il est? Je voyais pas le tuyau, mais excuse, j'avais pas vu. Et ben voilà, la salle de bain elle est faite. On a presque fini en attendant. Hein. 300 000 roubles. Hein. Oh la chambre du petit. Non mais c'est bien. Hein. Quel enfant peut dire qu'il a découvert le crack avant le CP hein. Ah c'est ça le rêve américain. C'est ça l'Amérique d'Obama ou de Donald Trump. Hein. Quoi Bob, mais tu peux pas dire ça. Non mais quel que soit le président, je pense que le gamin il aurait découvert ça beaucoup trop tôt. Une
catastrophe. Et on va encore installer un radiateur, mais décidément, on est plus un installateur de radiateur qu'un repeigneur de maison, c'est une catastrophe. Voilà. Ah, au moins ça va vite. Bon. Et nettoyer la fenêtre. Bon, bah ça c'est classique, les vitres. Puis, avec l'appareil qu'on a, regardez, vous avez vu. Hop. Ça se fait vite. Voilà, très bien. Très excellent. Et ben voilà, ça c'est fait. On ferme la porte. Cette porte elle-même là, c'est propre. Là, c'est clean. Là, c'est des chiottes, on dirait une scène du crime. On commence par nettoyer toutes ces tâches à la con. Ouais, vous avez vu, améliorer le balai level max. Hein. Ça change la vie. Hein. Ça change la life. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le radiateur de salle de bain, c'est ça ? Radiateur de salle de bain installé, très bien. On va le foutre là. Voilà. Elles sont propres, les chiottes, par rapport au reste de la maison. Ouais, non, mais c'est normal, ils ont gardé l'endroit propre. C'est là qu'ils prenaient l'héroïne. Tu sais, au bout de la troisième fois, au bout du troisième résident qui a chopé le sida, ils se sont dit, non, mais les mecs, essayez de vomir dans le salon, s'il vous plaît. On a besoin de garder les chiottes au propre. Par contre, ils se sont cassés avec l'évier. Hein. Placard avec cuisine, attends une seconde, avec évier. Avec évier, madame. Ah non, d'accord, ouais, non. Voilà, alors. Voilà. Voilà, la force de l'habitude. Ok, la dernière chambre à coucher, c'est ici qu'on appelle ça le bésodrome. C'est quand les médicaments ont fait effet et qu'ils avaient un petit coup de faim et qu'ils seraient dit « Tiens, je mangerai bien de la chatte. » Je comprends. C'est un sentiment qu'on a tous eu. À 3h du mat, on se réveille, on est là. Après, c'est romantique, genre il y a un miroir. Voilà. Impeccable. Par contre, il faut qu'il fasse gaffe, c'est Clodo, hein, parce que quand tu commences à éjaculer du charbon, c'est qu'il faut augmenter les doses. Hein. Pas parce que ça va te sauver, mais parce que tu vas crever, donc tant qu'à faire, autant prendre plaisir jusqu'au bout. Voilà. Vous avez vu la belle couleur de cette fenêtre? On dirait les résidus de pisse quand t'as pas nettoyé tes chiottes pendant des années. Incroyable. Bon. Everything done. Terminé la mission. Alors où est la chambre du petit vieux? Bien évidemment, Stonks Industries ne laisse pas un homme sans une signature. Ah, Fabio, hein. Fabio en grand, Fred, on l'a déjà mis. Fumtar, Stonks, David Bowie. Ah, Pat, hein. Il y a Pat Tibulaire. Hein. Christina Cordula, Fanta. Moi, je suis pour Pat, un Pat Tibulaire. Hein. Ah putain, ça va me coûter 92 000 roubles. Hein. Ça veut dire qu'on va gagner que 300 000 roubles de bénéfices. Hein. Mais quelque part, ça me paraît être une, ça me paraît être une,
Ça me paraît être une signature intéressante. Hein. Ou non, tiens. Un vieux Lennon. Ou Fred. Hein, Fred, hein. Rage quit sauvage. J'hésite, hein, je voulais le choisir dans le chat, je bois un coup. On me dit le vieux Lennon. On est bien. On est bien là. Putain, qu'est-ce que je ressemble à mon daron. C'est terrible. C'est terrible. Excellent. Dans la maison d'une femme énergétique et indépendante, il n'y a pas de place pour des jouets de moutard. Ah, hein. Et surprenamment, par contre, t'arrives à y caler tes 50 chats. Alors... Voyons voir. On rajoute un tableau de Baki. Voilà, c'est essentiel. Au moins, tu sais que ton daron, c'est bien le tien. Bah là, j'avoue, zéro doute. Hein. Et du coup, on peut rajouter aussi. Voilà, excellent. Parfait. Avec ça, on est plutôt pas mal. Bon, on a 2,7 millions. Est-ce qu'on regarderait pas les petites annonces? Maison abandonnée, maison brûlée, la maison inondée, la maison du connaisseur, la maison des hôtes indésirables, maison de plusieurs générations. Mais là, c'est trop cher, si tu veux. On est dans les 2 millions, donc voilà, on est sur cette ligne encore. On est sur cette ligne. Il y a moyen de faire quelque chose d'à peu près propre. Hein. Eh bien écoutez, je vais faire un choix et on vous retrouve lors du prochain épisode à Bunker Habitable. La semaine dernière, ma femme adorée a décidé que sa maman habiterait avec nous. J'ai décidé que l'endroit idéal pour ma chère belle maman, ce serait une construction en métal froide et profondément enterrée. En gros, je voudrais la mettre dans le bunker. Tout ça, bien sûr, c'est pour sa sécurité. Non, mais je comprends. Dans ma jeunesse, j'ai accueilli la mère de ma compagne à la maison pendant un temps parce qu'elle était dans une période dure. Et j'avoue lui avoir donné le lit principal parce qu'elle avait mal au dos et avoir dormi sur le canapé. Donc j'ai aucun regret, mais quelque part, tu vois, si t'as la possibilité de lui offrir un bunker... Je comprends. Stonks. Je dis stonks. Enfin bon. Voilà, je dis stonks. Eh bien écoutez, c'est parfait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. On va aérer ça un tout petit peu. Voilà, parfait. Ultra méga stonks. Voilà, c'est ça qui est bon. Stonks. Oh, Fabio.